Exercice 7. Mots. Concevez et écrivez en langage C une fonction qui cherche si un caractère donné est présent ou non dans une chaîne de caractères. Cherche si un caractère donné est présent ou non dans une chaîne de caractères. D'accord. Donc, on commence. Partie algorithme. Donc, en fait, on va faire... Ça, c'est un tableau qui contient un nom. Et que lorsqu'on demande maintenant les mots B, il faut que cette fonction renvoie oui si existe et non si n'existe pas. On va essayer de falsifier les symboles mathématiques comme ça on dit qu'il existe et il n'existe pas. Mais ça n'existe pas comme ça. Donc, en fait, déjà, il faut vérifier tous les tableaux par les mots qu'on va créer. Donc, pour vérifier, en fait, par exemple, comme ça, Albert, ici, on s'en fout, c'est majuscule ou minuscule. Hein. Ils ont dit juste une chaîne de caractères. Voilà. Voilà. Il faut juste penser comme ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on s'en fout. Donc, alors, et il nous demande maintenant, ok, de créer une fonction. Déjà, il faut contrôler toute cette... il faut contrôler toutes les cases. Pour voir répéter, pour en fait vérifier, juste voilà, parcourir les tableaux et après nous allons vérifier la valeur. Alors en fait c'est juste pour vérifier, c'est simple. En fait nous allons créer une boucle. Voilà, alors cette boucle aura en fonction comme je dis de vérifier. De vérifier, voilà. De vérifier justement si mon, voilà, ce mot-là est égal à. Donc là, il vérifie. Et on met cette condition en disant que si mot i est égal à égal à la chaîne de caractères, si c'est vrai, on fait plutôt le contraire. Si elle n'est pas vraie, si avec cette fonction là et qu'il trouve que ce mot-là existe, de façon, comment dirais-je, si le mot-là est égal à ce mot, par exemple A égale à A, CA égale à A, il envoie, comment dirais-je, il envoie, retourne 1. Voilà, on fait comme ça, retourne 1. Donc ça veut dire que lorsque il sort, il vérifie jusqu'à la fin et qu'il ne trouve, il ne renvoie pas 1, donc c'est juste là à la fin qu'il va renvoyer retourne 0 pour dire qu'il n'a pas trouvé le mot. On va essayer de procéder de cette manière là pour voir un peu comment, qu'est-ce que ça
comment ça va marcher. Donc, je crée ma fonction. Donc, non, comme il va envoyer donc int, les 0 et 1 ce sont des entiers. Donc, je crée int est présent. Voilà, il faut être présent. Il va prendre un char. Ouais, char mon de quelque chose, c'est par quoi. Avec le char lui-même, le char mot, non, le char lettre. Et là, il va entier int for int égale à 0 tant que mot. Tant que mon i est différent à l'arrêt de chaîne, fin de chaîne, alors il va faire ce qu'il doit faire et après faire l'incrémentation. Alors là, il va vérifier cette condition. Si mon i, vérifier s'il est égal à lettre, il fait retourne 1. Donc ça veut dire que si par exemple il y a bébé, donc si on demande de trouver et donc, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de trouver le deuxième et. C'est juste lorsqu'il trouve le premier et, il s'arrête. Là, on n'a pas besoin de dire else, c'est voilà. C'est juste voilà. Parce que si on fait else, on dit non. Ça veut dire que juste il va vérifier la première lettre. Lorsqu'il ne trouve pas, j'aimerais bien faire ça pour qu'on voit en fait comment. Retourne 0. Ok, là maintenant on fait notre fonction main. Oui, cette fonction main va prendre char mon descend et char lettre print écrivez le mot et la lettre à chercher. D'abord, je vais scanner le mot et après, je vais scanner le caractère. Je vais donner le mot au mot et caractère à L. Après, j'appelle là. Normalement, je voulais dire est présent. J'appelle est présent des mots et elle oui et elle après je vais dire if il renvoie, donc voilà, ça comme il renvoie, je peux faire if est présent de mots et lettres. Donc, si c'est vrai,
et va faire print true. Else print false. Voilà. Après, return 0. Voilà. Bon, j'essaye de cette façon-là, de cette manière-là, pour voir un peu de quoi il s'agissait. Il y a l'erreur. Ok. Écrivez le mot et le caractère dont je vais l'écrire. Donc, Albert. Et je demande qu'il me cherche la lettre T. Il y a lettre T. Papa, 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 if, okay. Là, j'ai refait, je dis, Albert, je cherche, C. Vous voyez, ça donne toujours false et true, true, true. Oh, pourtant, C n'est pas dedans. Mot il n'est pas dedans, retourne 1, else 0, boucle, donc il va continuer. Je sais pas comment il a fait true, mais voilà. Et c'est if mot égale à oui 1, else 1. Alors pour voir un peu de quoi et comment ça se passe en fait à l'intérieur du programme, je pars ici dans ces logiciels. Ici, je vais écrire Albert et A. Non, et B. Imprimer mot. Il y a des erreurs. When using the assign method as a conditional without parameter. If you are égal, égal. Ok. Déjà, l'erreur est de ma part parce que je n'ai pas si utilisé bien, donc comme on dit correctement. Là, je ne l'ai pas comparé, en fait, je l'ai affecté. Pour comparer, c'est avec des égales. Voilà. Là, je vais arranger. On voit que voilà, ici, il m'a déjà corrigé. Bon, je vais essayer de corriger encore ici. C'est où lorsque je comparais, voilà, il faut que je fasse les efforts. Warning, control may be reached of void functions. Alors là, j'ai ouvert, si je fermais, c'est bien, retourne, ça va, on s'en fout. Là, je fermais, c'est bien. Là, si je ferme, c'est bien. Ok. Je continue. Je dis, je commence maintenant. Et là, je crée 100. Voilà, avec des. Voilà, il n'y a rien. Écrivez. Là, il envoie d'écrire. Moi, j'ai déjà écrit là, Albert. Il va lire les mots. Il donne à Albert et il donne à elle. On voit, il a donné les chars mot Albert avec Fenchen. Et char, il a donné B. Char L, donc lettre. Il appelle la fonction expérience, il entre dans la fonction. Et cette fonction, du coup, il vérifie comme d'habitude, hein, s'il est différent à Fenchen. On voit que c'est le différent. Il prend la lettre, il le compare avec lettre, vous regardez ici. En fait, il compare juste une fois, c'est ça que je voulais. Voilà, il envoie
false. Il vient là-bas. Là, il compare. Comme il envoyait 1, il envoyait 0, pardon. Int. En fait, il retourne. Là, normalement, il devait envoyer faux. Il refait le tour. En fait, j'ai l'impression de faire une boucle infinie. Là, il renvoie encore 0. Voilà. Là, il renvoie false. Là, il renvoie false. Pourtant, B et B, ça, il est là, présent. Pourquoi? C'est juste parce que je fais la première fois. Deuxième fois, il est entré ici. Alors, si justement, j'enlève, fais comme ça. J'enlève cette partie parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Et je dis que, oh non, non, pas ici. C'est où? C'est ici. Voilà. Donc, je fais comme ça. Et là, en fait, c'est... Voilà. Là, je cherche. Je cherche, je vais essayer d'être rapide. Je cherche la première fois. Déjà, première, il n'a pas trouvé. Il continue à chercher. Il répare, il cherche. Il recherche, il trouve que il trouve pas pour deuxième partie. Il continue à chercher. Là, il trouve haut. Alors, il y a une chose que je n'ai pas compris ici. Il renvoie force B. Il y a une chose que je n'ai pas compris ici. Que voilà, I égale à 0. Il commence par I égale à 0. Il cherche. Ouais. For I. Fait comme ça. Là, j'enlève. Et après, avec c'est voilà, ok, ok, comme là, lui là, il faut qu'il soit vraiment, attendez, voilà, maintenant on le met ici, hein? On verra bien le souci que j'avais avant, je ne le normalement je ne devais pas, je devais plus l'avoir. Je commence comme si vous voyez qu'il n'y a plus des erreurs. Il fait première, il trouve B, lettre B, il vérifie là, vous voyez même là ça monte, I ça monte parce que le souci était que comme il a vérifié la première fois, la deuxième fois la même chose, il coupe en fait, il ferme les boucles. Mais lorsque I ça commence à monter, donc là il va vérifier la deuxième lettre. Voilà. La deuxième lettre c'est L. Il ne trouve pas. Mais il accrémente quand même. Là, 2. Il vérifie. Maintenant ce B, non, si je ne me trompe pas, c'est B. Et il trouve que le B, ce B là, il est égal. Ouais, là il entre. Du coup, il coupe le programme. Parce qu'il a trouvé celui-là, c'est B. Et il confirme que c'est vraiment B. C'est trop. En fait, là, il peut continuer. Hein. Il peut continuer à trouver, à chercher. S'il trouve encore. Là, il a trouvé déjà. Il trouve B. Et il renvoie trop. Voilà. Voilà. Donc, première, il fait premier tour. Donc, en fait, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous avez compris
Lorsqu'elle arrive ici, donc au lieu de faire tout ça, il lui enlève cette partie parce qu'en fait, il fait le contrôle deux fois. Je me demandais pourquoi, mais en fait, c'est à cause de ça. Il fait le contrôle deux fois. Ok. Donc là, j'ai fait encore la même chose. Oh. Ici, j'ai enlevé retour. Ah. Ok. Ici, je mets Toto. Il cherche O. Il les trouve. Je mets Toto. Je cherche. J'écris n'importe quoi. Mais bon, ça marche quand même. Entrée, ok, ça marche quand même. Il trouve pas. J'écris. Benjamin. Voilà. Je cherche N. Non, je cherche I. Il est trouvé. Ouais. Donc on voit que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc là, il cherche le mot qui existe. Alors, si comme on a vu comme ça, voilà, pour vérifier, on voit qu'il n'y a pas vraiment de suspense. On va pas ça. Nous allons pas nous amuser. En fait, à créer ou à faire des mouvements dans notre tableau. Là, si c'était juste pour vérifier. Alors, on pourrait aussi faire que. On pourrait aussi vérifier si il se trouve dans la quantième case. Donc, c'est juste que lorsque. Donc, c'est I en fait qui va compter. Donc, on renvoie aussi I. Mais pour renvoyer I, donc il faut. Voilà, là on rajoute I, on met des accolades. Et là pour renvoyer, il faudra qu'on mette, qu'on renvoie, au lieu de renvoyer moi, mais on renvoie I, char I. It. Bon, comme ici on renvoie, on peut aussi renvoyer I, quelque part là. Au lieu de char. Mais pour l'instant, comme on veut vraiment, on veut pas. Donc non, ici pour envoyer, on retourne i. Hein? On renvoie pas là. On retourne i quelque part là. Tant que l'être il est, il entre ici, il fait i plus 1. Ou l'être, par exemple, je fais comme ça. It b. Et là, je mets B égale B plus 1. Ou même B plus plus, hein, c'est la même chose. Et là, à la fin, j'y retourne B. Hein, je retourne B. Même pour compter combien de fois cette lettre existe, je peux le faire aussi, je pense. Ouais. Première fois, si elle existe, au lieu de renvoyer B, au lieu de retourner, voilà. Il compte en fait, il compte juste. Donc on va faire comme ça. Il compte. Voilà. Il compte combien de fois il existe la même lettre. Il le compte. À la fin ici, on renvoie. On renvoie combien? On renvoie B. À la fin, on renvoie B. Donc, si j'essaye de faire comme ça, c'est A. Bien évidemment. Voilà, ici j'écris. Okay. Maman, je cherche lettre M. Bon, ici il nous renvoie deux fois. Là, je vais justement. Bon, papa, papa, parce que là, je vais ici print voilà. Je vais faire. Bon, je vais être présent de mon
Donc, maman aime. Donc, vous voyez, il renvoie deux fois. Si j'essaye maman, je cherche N, il renvoie une fois. Si je cherche encore maman, je cherche B, 0. Donc, il renvoie combien de fois ça, et la lettre se trouve dans le truc. Donc, voilà, c'est la modification que voilà, j'ai trouvé un peu intéressante. Ok. Donc là, c'est fait. Et on avance, je voulais vraiment terminer ça. Alors, dès qu'on concevait et écrire, en langage, c'est une fonction qui cherche si toutes les valeurs de mot mot 1 sont présentes dans le mot 2. Alors, ça, c'est fastoche comme on dit. Mais justement, on fait comme ça entier. Ouais, on fait entier. On dit égal. Hein? Char moins 1 et char modé. Entier i. Voilà. For égal à 0 tant que mon 1, en fait on va vérifier si mon 1 le tout le mon 1 tant qu'il est pas, il faut en fait ce mot doit être égal et doivent être égal égaux pardon et plus plus. Alors, là maintenant dans ce cadre, on vérifie la question c'est conservé que si toutes les lettres, donc si toutes les lettres sont présentes dans un mot, le mot 1 sont dans le mot 2. Ok. Alors, ici qu'est-ce qu'on va faire? Ici, if est présent. Hein, qu'on avait déjà avant est présent le mot i. Donc si le mot i est présent, hein, si il est présent, retourne 1. Déjà si il est présent. Donc, comme j'ai mis fort, de i 0, mot i différent, function i plus plus. J'ai mot 1 et mot 2. Voilà. Donc, j'ai Albert et Albert Berlin. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'utiliser la fonction est présent de mot 1, i. Donc, c'est cette lettre-là. Dans ce cas, c'est A. Si est le présent, donc, if cette lettre-là est présent, voilà, voilà, je vais faire comme ça, en fait, il faut l'inverser. Si mot 2, donc on vérifie que, oh my god, on vérifie, est présent. Voilà.
on vérifie le mot présent. Là, c'est mot. Là, c'est lettre. Lettre. Dans le deuxième mot qui est Bertla. Donc, on vérifie par exemple A. Alors, si cette lettre est présente, qu'est-ce qu'on dit? En fait, ça doit faire comme une boucle. Si c'est présent, il refait le boucle. Si c'est, donc, si le mot. Bon. En fait, il faut, je sais pas si le mot. Bon, on fait le contraire. Si le mot n'est pas présent. Parce qu'en fait, je regarde, s'il n'est pas présent, il faut qu'il prenne l'autre. Voilà. Donc, dans les cas qu'il est, il n'est pas présent. Hein? Par exemple, pas. Il vérifie avec. Il vérifie. C'est le mot-là, il vérifie là. Lorsqu'il trouve qu'il n'est pas présent. Si le mot là il est présent mais il n'est pas présent, si le mot égal à différent de 1, donc on fait retourne 0. Voilà, et je ferme la boucle. Donc lorsqu'il retourne, il retourne pas 0, ça veut dire qu'il trouve. Donc en fait, tant que si le mot là, tant que le mot, en fait, c'est comme si tant que le mot là est différent à 1, là, à 1, il renvoie 0, il retourne 0. Donc, il va prendre A. Et, pardon, parce qu'on va regarder si tous les mots, si c'était juste une lettre, on allait en fait prendre, comment dirais-je, est présent des mots et des lettres. Des mots et des lettres. Mais en fait, on veut vérifier si cette lettre-là existe dans cette phrase-là. Donc, il va, en fait, la première lettre, déjà, si cette lettre n'est pas là, donc ça veut dire que ces mots sont différents. Donc, on ne va pas chercher la deuxième lettre. Déjà, la première, si elle n'est pas présente, ça veut dire que le mot est différent. Voilà pourquoi, lorsqu'il ne trouve pas, lorsqu'il trouve, donc c'est bon, il continue la vérification. Il continue la vérification pour vérifier elle. Je vais essayer de compiler cette vérification. I égale à 0. Mot 0, donc c'est A. A. Il vérifie A dans les mots I, dans les est présent I. Est présent I, il vérifie maintenant mot de 0. Mot de 0 ici égale à B. Il passe. Égale à. Donc lorsque c'est 1, c'est E, il passe. Attends, jusqu'à, voilà, il va jusqu'à A, il trouve A, il va envoyer, retourne 1. Il trouve 1. Pour A égale à 1. Lorsqu'il trouve qu'il est égal à 1 ici, lorsqu'on écrit 1, ça va être, ça c'est différent de 1. Donc s'il est différent de 1, il renvoie 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est 0, si il renvoie 0, là en fait si c'est 1, si c'est vrai, il renvoie 0. Alors si ce n'est pas vrai, il renvoie 0. Alors dans notre cadre ici, là dans notre cadre, c'est vrai. Hein? Là c'est vrai. Donc il ne peut pas entrer ici. Il continue la boucle. Il prend la deuxième lettre. En fait, l'objectif c'est ça. C'est de ne pas faire qu'il puisse arrêter à la première lettre. En fait, il faut qu'il fasse le maximum de lettres. Le maximum de lettres, en fait. Donc là, il continue avec la deuxième lettre. Il vérifie est présent de la deuxième lettre. Il va trouver qu'il est là. Il va renvoyer 1. Là, c'est 1. Donc, là, il est différent à 0. 1 est différent à 0. Il continue jusqu'à ce qu'il va faire tout, jusqu'à ce que ce mot-là va avoir cette signe-là. Donc, fin de chaîne. S'il trouve que
il n'a rien trouvé, il n'a pas rien tenté ici. Donc s'il rentre, il sort dans cette boucle, ça veut dire que, donc s'il sort dans cette boucle, ça veut dire qu'il a trouvé le mot et il renvoie. Il renvoie un. En fait, c'est ça l'objectif. Je sais pas, avec mon explication, c'est un peu bizarre. Voilà, parce que je vois pas comment l'expliquer, mais regardez juste mon code. Hein, avec ce que je vais dire, vous verrez que c'est aussi simple. Bon, pas aussi simple, mais c'est. Voilà. Là, je mets différent de 1. Hein, différent de 1. Donc, ça veut dire que 0. De toute façon, c'est 0. Là, je fais comme ça parce que je vais écrire beaucoup de. Voilà. Donc, si il trouve que c'est différent de 0, différent de 1, il rend parce que celui-là, c'est comme un oui. Alors, si on ne veut pas faire de cette manière-là, je pourrais même faire comme ça. Égal à 1. Donc là, c'est différent de 1. En fait, c'est la même chose. Donc là, j'ai enlevé juste celui-là. Je le mets ici devant. Normalement. Pas de else. Donc s'il arrive, hein, pas de else. Après, ici, je fais retourne 1. Voilà, retourne 1. Alors, égal. Apparemment. Sauvegarde là, là je mets juste égal mot 1 et mot 2. Donc ici je vais écrire mot 2, mot 1. Bon, ça reste quand même mot. Je vais déclarer char de mon mode, il aura comme 100. Voilà, écrivez les mots. Voilà, à comparer. Égal. Donc ici, si c'est 1, true, voilà, ok. Ok, je vais l'essayer. Les erreurs, s'il y en a, on l'arrange. Différent est présent des mots, normalement, il faut la lettre. Non, c'est non. C'est mot 2, voilà. Et pas, les mots 2. Et voilà, je vais écrire mon mot Albert et Bertilla. Je cherche. Normalement, il n'a pas trouvé. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi c'est ici. C'est parce que j'ai oublié de changer les mots, mais j'ai oublié de changer ici. Ok. Et ici, normalement, je devrais faire mot 1 et mot 2. Voilà. Voilà. If mot 1, mot 2, ici, il renvoie true. Voilà. Normalement, ça doit... Voilà. Albert. Et Bert, c'est là. Là, il renvoie true. Je vais essayer des mots. Voilà. Et on renvoie false. Je renvoie P et O. Et on renvoie false. Je mets bas et B et AB. Voilà. Et on renvoie trop. Donc on voit que là, ça marche. Hein? On voit que là ça marche. Bah, c'est simple parce que bon, c'est simple que, pas simple que ça, parce qu'on bouge vraiment pas les choses, hein, on bouge pas les éléments dans le tableau.
Alors, ce qui semble un peu difficile, c'est celui-là qui vient. C'est maintenant. Donc, concevoir, pardon, et écrire en langage, c'est une fonction qui affiche toutes les voyelles d'un mot, toutes les vo qui, et là, il, qui efface, pardon, toutes les voyelles d'un mot. Par exemple, la fonction transforme le mot bonjour à BNGR. Voilà. Donc, l'objectif, là, vraiment, avant de commencer le code, je m'applique, j'essaie en fait de. Donc, l'objectif, c'est d'écrire bonjour qui me donne bonjour. Donc, en fait, l'objectif pour éviter d'écrire match with de suite et de pour match with, ça j'ai camel pour voilà pour éviter d'écrire switch, hein, pour éviter d'écrire switch. Déjà, je vais créer char. En fait, c'est comme si en fait, je dois comparer, je dois faire et présent des mots que je vais chercher en fait. Et les mots que je vais chercher, oui, pénis. Je vais faire quoi? Ah, mais plus tard, enfin, je vais chercher le mot et cette lettre et les mots. Et mot i. Ça, c'est déjà dans la boucle. Hein. Je vais chercher, en fait, l'objectif, c'est ça. Si c'est présent, donc si il cherche, si c'est présent, alors il prend le mot là, voilà, il le prend, il enlève. Alors pour l'enlever, il décale en fait les tableaux. Par exemple, bon, lorsqu'il cherche là, il n'est pas, il continue. Lorsqu'il trouve, oh, il est présent, alors il fait quoi? Il prend. Lorsqu'il trouve, hein, donc if, blah, blah, yes, then, il prend mot de i qu'il avait trouvé. Mot i. Non, mot i plus. Non, 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 mot i égale. Mot i plus 1. Donc il va faire mot i plus 1. Il prend celui-là, il remet. Il prend l'autre, il remet. Il prend l'autre, il remet. En fait, pour en fait, faire reculer tout ça pour que ça devienne comme ça. Donc c'était bon. On efface O. Il recule N. Et ça devient comme ça. Voilà. Bon, ça paraît comme ça. Là, maintenant, ça devient un peu délicat. Pourquoi? Parce que nous allons bouger. Bon, je vais bouger les tableaux, les cases. Dans l'objectif, on écrit bonjour. Qu'on a bonjour. BNJR. Donc, comme je dis, je dois créer char de voyelles. Voyez, donc V, et donc je vais créer directement parce que c'est voilà. A et I O U Y. Voilà. Alors, ça c'est le voyelle. Donc là, je vais maintenant demander donc ça dans le main apparemment. Ouais, ça dans le main et je vais appeler ma fonction. Alors, dans les boucles maintenant, dans les boucles, comme il a, on va voir, donc on voit rien, on élimine
cher. Le mot. Cher. Voyelle. Bon, de toute façon, voyelle, on n'a pas besoin de le mettre là. On peut bien sûr le créer déjà à l'intérieur ici. Donc, char, voyelle, 6, A, E, I, O, U, Y. Voilà, on crée voyelle. Pour le fort. Maintenant, on essaie de parcourir en fait les mots. Voilà, 0. Donc, mot de i différent function parce que là on veut, on compte pas, on compte plus en fait. Là, qu'est-ce qu'on dit? Là, on vérifie maintenant si il trouve, il compare et qu'il trouve. Donc ici, on fait comme est présent. Hein? Est présent de quoi? Est présent de mon. Non, est présent de voyelle. Est présent de voyelle et mon i. Bon, pourquoi j'ai fait ça? C'est if est présent de ces mots-là, si ça voit, si ça envoie, hein? Est présent de voyelle, il vérifie si c'est présent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il efface, en fait, pour qu'il fasse, comment dirais-je? Bon. Comment je dois faire ça? Je pourrais aussi faire la même chose. Hein? Si donc s'il n'est pas présent, il fait rien. Hein? S'il n'est pas présent, s'il est présent. Oh. Si c'est est présent, il fait rien. Ouais. Mais s'il est présent, non, s'il est bon, on travaille dans l'ordre. Hein. S'il est présent, il prend le mot là. Il prend le mot i. Non, il prend le mot et la place de ce mot là. Il remplace par mot. En fait, il faut normalement il faut qu'il fasse. Alors, pour continuer, voyelle. Donc ici, il va prendre maintenant la va donc je vais essayer de faire comme ça. Donc voilà, lorsqu'il fait, il compare, papa, papa, il trouve que c'est faux. Là, c'est faux. Il sort dans cette boucle. Hein, ça, c'est une boucle. Ouais. Il sort, je vais faire comme ça. Voilà. Lorsqu'il va vérifier, voilà, if, papa, papa, c'est 1. 1, c'est vrai. Il va rien faire. Et lorsque c'est faux, par exemple, ici, parce qu'il va trouver voyelle, hein. Il va trouver voyelle, pardon, il va trouver par exemple t. Là, ça sera 0. Première, ça va retourner 0. C'est faux, il n'entre pas. Il refait le bouc et la boucle. Il vient ici, là c'est 0, là c'est 1. Lorsque i égale à 1, lorsque i égale à 1, ici c'est vrai, il renvoie 1, ici c'est vrai. Il va faire quoi? Il va prendre les mots qu'il a trouvé, c'est vrai. Il va l'enlever. Il va la remplacer. Il va remplacer, pardon, c'est pas les mots, la lettre. Il va la remplacer par la lettre suivante. Alors la lettre suivante, c'est quoi?
La lettre suivante, c'est... comment dirais-je? La lettre suivante, c'est I plus 1. Voilà, c'est I plus 1. Voilà, c'est I plus 1. Ok. Donc, il prend I plus... Là, il envoie T. Mais normalement, ici, il sera T. T. Voilà, et ça sera comme ça. T avec T. Normalement, on veut que... Hein, on veut que... T, voilà. Ben, ça sera T et T. Or, nous, on n'a pas besoin de ce T-là. On n'a pas besoin de ce T-là. Donc, on pourrait aussi faire que mot point là, en fait, là aussi, ça devrait être une boucle et pas une fois, mais de sorte que ça fasse, c'est ça recule une fois ce mot tant que ce mot-là il trouve pas la différence. Donc, si on devrait ici, on devrait faire le boucle fort. Encore le boucle fort, voilà, parce que je vois pas une autre sorte, une autre forme à le faire. Donc là, on fait encore le fort. Là, on met même J égale à 0. Là, on déclare entier J. Même, on pourrait même le déclarer sur la même ligne, c'est la même chose. On met que mot point J moins point J non, moins point mot point I. Pas point J, voilà, mot point I, parce qu'on commence par le mot, le même mot, hein, mais là où la lettre est effacée, donc c'est I, hein, lorsque la lettre est effacée, donc est-ce que c'est bien ça? Non, on dit que voilà, différent. Voilà, J plus plus. On fait comme ça. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que le mot, là où la lettre est, voilà, I, donc là, le mot. Pinesse. Là, j'ai fait. Donc là, mot I. Là, mot I. Égale. Qu'est-ce que je vais faire? C'est égal à mon en fait celui-là ça sera juste pour compter combien de fois ça doit faire jusqu'à ce qu'il trouve le mot différent à 0. Donc là en fait ça devrait faire i égale mot. Je fais comme ça. Là, égal à J. Hein? Je fais comme ça. Égal à J. Égal à I, pardon. Mot J. Donc, normalement, ça devrait, voilà, ça devrait être bien jusque-là. Donc, on commence là. Mot égal à J. Voilà. Et je fais mot J plus 1. Voilà. On fait comme ça. Mot égal à J plus 1. Donc, cette partie, ça entre là. Voilà. Donc j'enlève celui-là. Donc lorsqu'il trouve, lorsque c'est vrai, il fait le deuxième fort qui prend la valeur qui commence par J. Alors mon J jusqu'à ce qu'il va trouver, jusqu'à la fin du mot en fait. J plus plus, il fait mon J, de toute façon ça sera la même valeur que I, donc pas de souci, mais il va les remplacer par mot J plus 1 et il va faire mot J, là J va monter dès là, donc ouais, là il va monter mot suite mot, il aura cette valeur jusqu'à ce qu'il trouve différemment. Ok, après
Donc là, je ferme. Après, voilà, c'est une boucle en fait qui fait comme ça. Lorsqu'il trouve rien, il fait rien, il continue la boucle. Donc, je vais essayer de faire ce. Donc, de toute façon, c'est. Ouais. Est-ce que ça va? Ok, ça c'est bon. Donc là maintenant je compile. Donc include standard input output. Ça va garder. Voyelle clean. Oui, c'est. Alors, fait void. Voyelle efface. Il prend char. Il prend juste char de mots. Voilà. Je crée les chars pour les voyelles. Bah, il prend 6 voyelles. Là, c'est A, E, I, O, Y. Entier I. Fait comme ça. Alors, première boucle for i égale 0. I, non, c'est on travaille avec le mot. Mot i différent à fin de chaîne. Et i. Voilà, il fait l'incrémentation. Comme j'aurai beaucoup d'instructions, je fais comme ça. Du coup, je compare. Si, donc là, j'aurai besoin de cette fonction est présent. Voilà. Donc, on triche un peu en utilisant cette fonction. On prend est présent de mots et lettres. Donc mots, je prends est présent de voyelles. Voyelles. Et le mot. Le mot i. Donc condition que c'est vrai, je fais comme ça. Si c'est vrai. Alors, il fait deuxième boucle avec J égale I et mon de J. Donc, il prend à partir de J. Différentes en fait chaînes à la fin de chaîne. J plus plus. S'il y a des erreurs, je changerai. Donc, il fait mon de J à partir de J. Donc, il commence à partir de I, à fonction de I. Donc, mon de J plus 1. Voilà. Voilà, là je vais créer fonction main. Donc mon char mon
print f, écrivez le mot, voilà, je vais scanner le mot et je donne ce mot à mon et je appelle voyelle efface de mon, voilà. Et je vais imprimer ce mot là, voilà. Il devient, voilà. Ok, s'il y a des erreurs, on rectifie. Je vais essayer de regarder vite fait. Ça c'est J, voilà. Non, ça c'est là j'ai même pas besoin de ces J, ça pas là, c'est bon, voilà, c'est bon, il renvoie, voilà. Et là voyelle maintenant AIO, il vérifie. Voilà, ici il y a l'erreur. Là c'est mot égal à 0. Il vérifie que c'est différent. Alors si c'est vrai, il fait le test avec. Pendant que c'est là, il vérifie cette condition. Il fait la vérification avec le contrôle en fait cette condition. Si c'est vrai, il fait le boucle. Si c'est pas vrai, il reprend le boucle d'avant. Ok, donc si la lettre mot se trouve dans la tableau. C'est comme dans les tableaux voyelles, donc la boucle et fa sera cette lettre. Puis non, effacera et remplacera cette lettre, puis une fois précédente, voilà. Ok, je vais essayer, voilà, écrivez les mots. Les mots c'est, ils ont dit d'écrire bonjour. Là il manque U, mais on voit qu'il a fait le travail. Ouais, là A et U, voilà. Bonjour. Et non, il y a toujours U qui manque.
voyelles. A, E, I, O, U. Voilà. Voilà, bonjour. 6, non. Là, A, E, I, O, U. Donc, 1, 2, 3. Donc, je vais faire 7. Voilà. 7. Voilà. Voilà, comme ça. Il faut toujours faire plus 1 normalement. Voilà. En fait, il fait juste pour le haut. Je vais essayer l'autre lettre. Là, ça marche. Donc il fait la première fois, mais il ne fait pas, en fait, comme s'il fait première fois. Donc il fait, enfin, il veut l'étudier. Les mots bonjour, je vais l'étudier ici. Je vais le compiler. Là, papa, bonjour. Non, ici c'est bonjour. Voilà. Faut le compiler. Après, je m'arrête là. Voilà. Bonjour des mots. Là, il fait bon, le char. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voyelle. Non, tableau voyelle. Qui est égal à. Bon, A, I. I, O, Y. Voilà. Mais I égale à 0. I égale à 0. Donc, I égale à 0. I égale à 0. Mot I. Mot. Bon, mot égal à 0. Le i est différent mot et entre et maintenant ici. Là, il vérifie que le mot voyelle, il n'est pas présent. Il saute. Deuxième, il saute. Donc, c'est 0. Il n'entre pas ici. Il saute. Il prend deuxième valeur. Là. If ça donne oui, là il vérifie, maintenant il fait boucle, il vérifie boucle, boucle voyelle, si c'est vrai. Il entre encore autre boucle fort. Donc, ça, c'est boucle 1. Boucle 2. Boucle 2. Maintenant, pour remplacer G. Là, G, on a dit G égale à 1. 1. Donc, on est dans les mots. Mot 1. Mot 1, case mot 1, parce qu'on veut enlever mot 1. Mot 1 égale à O. On dit que c'est mot 1 qui est égal à O. Soit égal à mot 1. Mot 1. Plus 1. Mot 2. Mot 2 c'est quoi? C'est N. Donc on dit que M1 égale à N. Donc là. On a B, 0, on a 1, 1. On continue.
Voilà, ici maintenant travail J égale à 2. Voilà. J égale à 2. Là, j'ai plus plus, hein. J égale à 2. Là, mot 2. Mot 2. Donc, il cherche à partir de mot 2. Zéro, un, deux. Ouais, c'est un problème, ce truc. Il prend les mots 1. Il prend les mots 1. Mot 1. Il prend mot 2. Il met un mot 1. Maintenant, il prend le mot. Ça, c'est mot 0. Maintenant, il prend mot 2, là, qui dans ce moment, c'est n. Dans ce moment, c'est toujours n. Là, c'est résolu, là, c'est résolu, là, ce moment, c'est n. Il les remplace. Ok, n. Maintenant, il les remplace par 2 plus 1. 2 plus 1, c'est 3. Donc, 0, 1, 2, 3. Il les remplace par j. Il continue. J égale à 3. Mot 3 égale 0, 1, 2, non. Mot 3. Ça, c'est mot 3. C'est là. Égale mot 3 dans ce moment. C'est J. On les remplace par mot 4. Mot 4, c'est O. Voilà. Là, pour l'instant, il remet O. Il remet O. Ok. Il remet O. J, il fait une J égale à 4. 0, 1, 2, 3, 4. Point J égale à 4, c'est O. Mot 4 égale à O. Il les remplace par mot 5 qui égale à I. Mot 5 égale à I. Il remplace par mot 6 égale à R. Et là à la fin en fait, oui, ça crée l'erreur. Là à la fin en fait, c'était encore R. Voilà. Et là c'est fin de chaîne normalement. Là c'est fin de chaîne. Hein? Là il faut toujours faire comme ça. C'est vraiment important de ne pas oublier fin de chaîne. Là à la fin c'est fin de chaîne. Donc, en fait, il faut qu'on fasse. Voilà. Il faut, dans ces cas, qu'il fasse. C'est très délicat. Donc là, parce que là, il s'arrête là, il s'arrête ici et il s'arrête là. Là, c'est fin de chaîne. En fait, il n'a pas trouvé fin de chaîne ici. Il va continuer. En fait, il va continuer. Là, on est 6, on est 5. Maintenant, il prend 6. 6, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il trouve R qu'il devait les remplacer par 7. 7, c'est function. Normalement, ça devrait marcher, il les remplace par function. Et il sort de boucle.
Il sort dans le bouche. Donc, on a un peu l'impression qu'il oublie quelque chose toujours. Parce que ça. Lorsque je. Comment dirais-je? C'est un peu long de le faire ici. Mais je n'ai pas le choix. Seulement, j'espère que j'ai bien fait la vérification. Fort égal if. Ouais, normalement ça va. Je vais, il a créé, il entre dans le book, elle vérifie. Il vérifie, comme c'est bon. Non, voilà, il vérifie. Bon, comme B, la lettre A n'est pas, voilà, n'est pas voyelle, il sort. Et là maintenant, c'est la deuxième lettre. C'est A, non, Albert, pardon. Albert, c'est A. Fort, j'ai pas suivi en fait ce qu'elle a fait. Je vais reprendre juste. Voilà. Écrivez les mots. J'écris les mots. Il scanne les mots. Il le donne un mot. Il fait. Il appelle le voyelle le mot. Voyelle. On crée le voyelle de mots. Voyelle de mots. Ah ben voilà. Voyelle de mots. Voyelle de mots normalement ici dans le voyelle. La voyelle. De 7. Char. Il n'y a rien en fait dans le voyelle. Là, il n'y a rien. Voilà, là. Il n'y a rien en fait dedans. Il n'y a rien. J'ai oublié comment je devrais l'écrire, mais je vais essayer comme ça. Voilà, écrivez le mot. Voilà, c'est bon. Il écrit le mot. On entre dans les voyelles. Il voit rien. Donc, il n'y a rien. En fait, le problème, c'est qu'il ne reconnaît pas les voyelles. Il ne reconnaît pas les voyelles, ces voyelles-là. Reconnais pas les voyelles. En fait, ce qui me cause des problèmes, c'est juste ici. C'est juste là parce que j'ai pas capté comment écrire une voyelle. Donc voilà. Je sais pas si je devrais faire comme ça. Voilà, je la fais du coup. Voilà. Voilà, là ce mot, là il a pris le mot Albert, il essaye Albert avec, là il n'arrive pas, voyelle, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Albert, c'est juste là, je trouve pas, il arrive pas à mettre ce truc deuxième volet dans le cadre. C'est pour ça, lorsque le compas est fait compas, il compare avec 0. Lettre A, la lettre A, char de mots. Int, voilà, int.
fort. Mon est différent à celui-là. Donc mon, il ne trouve même pas. C'est un problème. J'ai ça marche, Albert. Oui, c'est juste là qu'il ne marche pas. Même lettre, ça marche. Là, maintenant, c'est ça. En fait, lorsqu'il retourne, il retourne avec des erreurs. Là, je le fais vraiment comme ça. Je suis sûr qu'il reconnaît. Presque comme ça. Ça casse la tête, on fait un travail. Toi, casse-toi. Voilà. Bonjour. En fait, c'est le même cas, c'est le même problème. Alors, où est-ce que je vais rectifier fort? Blablabla. Et voilà. J, il prend la valeur du suivant. Alors, si je fais J moins 1, alors si on change par exemple mot et I, on travaille juste avec I. Mot i moins 1 égale mot égale à 0, I égale à 0, là, là c'est bon, I égale à I, il est différent à 0, il teste voyelle, teste voyelle, il teste si c'est mot là, donc dans ce cas, si c'est A,
et B et voyelle. Si B existe dans, mais comme B n'existe pas dans cette voyelle, Richard, les lettres, voilà, B n'existe pas là, dans la voyelle, alors il fait, voilà, il refait les boucles, première boucle. Non, c'est là, pas fort, non. Là, c'est comme B n'existe pas dans ce B, il n'entre pas ici dedans. Il n'entre pas ici, il sort. Voilà. Là, il sort parce qu'il ne peut pas entrer ici. Il sort. Il fait I égale à D. Et I égale à 1. Parce que ça revient là-bas. Papa. I égale à D. I égale à 1. Il vérifie cette lettre. Là, c'est bon. Il vérifie O. O, il est là. Donc, O égale à oui. Là, c'est oui. Il entre dans la boucle. J égale à I, à 1. Mot J, mot 1. Mot 1, qui est le même mot. Mot 1, là, sera égal. Mot 1 serait égal à au mot précédent. Mot 1 plus 1 qui est égal à n. Donc, dans ce cas, on a B. O s'enlève, il prend N, il le met à la place de 1, de B. Là, il met N à la place de B. Il sort, il revient. Là, boucle. Là. Il continue. Là, c'est 2. C'est différent. Il fait là 2. Ce mot-là aura la valeur du mot suivant. Mot 2 aura comme J. Mot 3 aura O. Après, voilà, mot 4, là c'est J, mot 4 c'est O, aura comme valeur I, mot 5, et mot 5, non, là mot 5 c'est I, 0, 1, 2, 3, 4, I, mot 5, aura comme valeur, mot 6, qui est égal à R, là c'est R. Après,
6. Là serait égal à mot cela. Normalement, ça devait faire comme ça. Mais égal à voilà. Et lorsqu'il trouve mot 7 égal déjà lui, il sort de boucle. Donc pour moi, je devrais déjà faire que lorsque mon point mon point 1, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Mon point 1, donc et si c'est différent, mon point 1 j, là il initie avec cette valeur. Je pourrais même faire comme ça pour éviter des confusions. Si je fais comme ça, i j égale à i, voilà, i, en fait c'est la même chose, c'est juste pour l'enlever ici. Voilà. Il y a juste une petite erreur. Là, mon vin. Là, maintenant. Ok. Alors, je vais tout changer. Ici, i égale à... Mais voilà! Ici, i égale à 1. I égale à 1. Donc, i égale à 1. Il est là. I égale à 0, 1. I égale à 1. Et c'est évident. I égale à 1. Et i égale à... Ouais, i égale à 0. Et mon égale à 0. Donc, voilà. Mon 0. Donc, il faut que je mette plus 1. Pour que lorsque ça va venir mon i de mon, voilà, là je touche pas, là normalement c'est i plus 0, parce que si je mets mon 1 0 1 c'est b, mon 1 il est là. Je mets mon plus 1 égal à mon moins 1. Là je fais mon moins 1. Égal à mon. Je perds que ceci. Alors. C'est le même. On va faire une chose comme ça. Voilà. Ah bah oui. Il y a une chose qui embêtait, c'était celui-là. Il me manquait celui-là parce que il y a une chose que j'ai oublié là. Lorsque je finissais ma boucle de remettre le valet dans la case, en fait je devrais refaire le test avec les premiers for. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma boucle i qui est là,
devrait en fait là, parce qu'on sait lorsqu'on entre ici dans cette boucle, là je peux les remettre à l'intérieur parce que c'est la même chose. C'était juste pour avoir la vision en fait de mon code. Voilà, là ça entre. Et là maintenant, là je devais bon, réquiller en fait toute. Voilà, réquiller le rang. Alors, il devait retourner ici. Pourtant, la valeur de i serait, il devrait être, la valeur de i ici doit être, par exemple, comment dirais-je, valeur, par exemple, i. Première, il le fait bien. Deuxième, comme il y a des bonjours, il y a des voyelles qui se suivent, donc il va faire quoi? Il va prendre le b. Donc, c'est, en fait, c'est la seule explication que je peux vous dire. Donc il va prendre cette valeur 4, il va le mettre ici en B. Pourtant, nous, on vient déjà de changer la valeur 3. Du coup, lorsqu'il va retourner dans la première boucle, au lieu de commencer par cette valeur 3, il va les sauter parce qu'on vient de la vérifier. Donc on a effacé lui-là, on l'a remplacé par I et on n'a pas recontrôlé la même valeur. Donc c'est pour cela le i ici, plus il monte, moins et plus on doit les retrancher là. Là, s'il monte une fois, il entre, on l'enlève une fois et il refait le contrôle sur le même mot. Donc il fait une fois contrôle, juste pour trouver le mot exact, les lettres exactes. Cette fois-ci, si je démarre en fait la voilà. J'écris n'importe quoi. Voilà. 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 Ils montent, ils enlèvent tout. Ils enlèvent tout. Si j'écris. Il vérifie vraiment, on sent qu'il fait vraiment les calculs, mais on voit qu'il prend un peu plus de secondes. Hein? Il prend un peu plus de secondes, 11 et presque 12. On prie n'importe quoi. Bon, place, ouais, même s'il y a le virgule, voilà, mais. Et ça n'a pas, ça lui a pas arrêté de vérifier là. Il y a A, il y a E, il y a I, il y a I. Voilà. Là, il y a I, A, il y a tout ça. L'enlever. Tout ça, il a enlevé. Voilà. Et ça a pris moins de temps. Donc 6 secondes. Voilà. Donc, si je vérifie le mot qui est comme ça prend 5 secondes. Mais le mot. Voilà. C'est aussi 5 secondes. Ok, donc je pense que je vais m'arrêter là, par là. Miroir. Alors pour faire miroir, j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Je le fais après. J'aimerais bien le faire aujourd'hui. Mais je vais le faire après. Donc voilà.